Sinon, est prêt, mais je sais pas. On va voir. Moi j'ai lancé en tout cas. Le jeu est méga fort chez Néo. Ah bah voilà. Je viens de baisser. J'ai coupé le son de Néo. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'entend pas. Bah j'ai même coupé le son de Néo. Non, c'est presque en même temps. Une seconde d'écart, allez. Est-ce que vous m'entendez bien moi? Est-ce que vous entendez bien? Seiya. Comment ça offline? Offline? Bah non. Non, je pense que c'est fini un souci. Je pense. Surtout, Twitch a un petit problème en ce moment, de toute façon. Ouais, des moments, il lance pas le stream direct. Bah, je te laisse expliquer. Moi, je vais m'absenter un petit peu et je reviens. Ça marche. Donc, s'il y a ce pas son, de... le second micro est faible. Je sais pas s'il parle du mien ou du tien. Mais... c'est pas grave. Ça doit pas être, ça doit pas être grave. Si c'est moi qui suis faible, c'est pas très grave. De toute façon, moi je peux pas monter plus que le micro. Ouais, ouais. Donc je vous laisse, je reviens. Ça marche. Je suis désolé, Sherwin, c'est ma voix, c'est comme ça. En gros, pour expliquer le jeu, il y a deux factions qui se battent, c'est Highland et l'armée de l'État. Nous, pour l'instant, on fait partie de l'Highland avec le héros et Joey. Et là, comme on peut le voir, il y a une attaque surprise de l'armée de l'État, en théorie. Parce qu'on va apprendre par la suite que c'était le prince de Highland qui a préparé l'attaque et qui a fait croire que c'était l'armée de l'État. On le voit là, c'est Lucas. Alors, le système de combat, c'est du tour par tour. Avec des attaques unités un peu classe. Comme ça, comme celui-là. Alors, les dégâts de héros sont un peu dégueulasses. J'espère que ça va s'améliorer par la suite. Voilà, on va faire une chute dans le vide de je sais pas combien de mètres, mais on va survivre, on sait pas comment. Et on va être séparés en plus, ça qui est bien. On va se retrouver, nous on va se retrouver... à côté du fort des mercenaires dirigé par Victor et Flick. Ceux qui ont joué au 1, ils connaissent Victor et Flick. C'est des personnages récurrents du 1. Et Joey va être recueilli par une famille à Toto. Dont la fille Pilika qui va nous suivre pendant tout le jeu. Là il y a la cinématique d'intro qui dure 3 minutes à peu près. On apprend d'où viennent les héros. Mais peu importe la taille du pseudo, comme les trucs sont instantanés, on peut prendre un pseudo de 40 lettres si on veut, si on pouvait, ça change rien. Faut savoir que dans le jeu il y a, allez, on va dire 4 cinématiques. 4 cinématiques de 42, à part celle-là qui dure 3 minutes, mais qui dure 30 secondes maxi. Tout reste du temps, il faut mâcher. C'est comme dit Néo, c'est très éprouvant pour les poignets. Voilà. Ce qu'on appelle la partie 1, nous, avec Néo, en fait, c'est tout le début du jeu jusqu'à la fin de Muse. Juste avant d'aller couronner, prendre le bateau. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu.
Et la partie 1, c'est presque la pire en niveau RNG. C'est pour ça qu'on va se permettre de faire des saves à trois endroits différents. Ça évite de reset. Cette semaine, on n'a pas trop été gâté par rapport à la RNG parce que surtout sur le boss qu'on va voir dans plus de 10 minutes maintenant, qui est très relou. Là, on spam les dialogues. On spam. Elle arrive dans. Elle est dans 18 minutes. Dans 15 minutes, Charwin. On va rencontrer le troisième héros, on va dire, du jeu. J'allais le dire, Néo. Le petit compteur qu'on voit sur le stream de Néo, sur la fenêtre de Néo, c'est un compteur d'escape fail. Néo a le world record d'escape fail. C'est lui le meilleur. À ce niveau-là, c'est lui le meilleur. Comparé au FF, les combats dans le jeu, ils durent en gros 4-5 secondes, si t'arrives à les fuir. C'est comme une perte de temps de 4-5 secondes, mais comparé au FF qui dure. Le combat dure au moins une minute, là on perd que 4-5 secondes. Donc là, petit mini-jeu, on va dire. Faut pousser des caisses. Pour essayer de bien ranger la salle. Pour que Paul soit content de nous. On ramasse la corde, comme il nous a dit. Et on va lui faire constater nos efforts. Il y a trois corvées là dans le début. Il y a celle qu'on a vue là. Après, il y a chercher des accessoires au forgeron. Ici. Et normalement, au boulanger là-bas. Et il nous dit qu'il n'y a plus de farine. Donc on va aller chercher de la farine dans le village d'à côté. Avec un chien soldat et une petite une petite fille médecin qui s'appelle Tuta et Chenjen. Ryubé. C'est vrai. Et je dis chien pour à peu près tout le monde dans le chat, mais dans le jeu ça s'appelle des kobolds. Hop, on a récupéré de la farine au marchand. On peut rentrer chez nous maintenant. On va aller faire un rapport à Paul. Et on va finir la journée là-dessus. Ah, il est trop grand pour le. Il est trop grand, Jenny. Je pense pas qu'il rentre dans son sac à main. Et hop, la troisième corvée, c'est de nettoyer les taches d'huile. Non, Nocturne, je pense pas qu'on va aller jusqu'à Île Renouille. On n'a pas encore trouvé le skip pour aller direct à Île Renouille dès le début. On va aller jusqu'à Muse.
Hop là. C'est un très bon début. Je vais sûrement faire les corvées en 10 minutes 15. C'est un très bon temps. Pas ma faute, Sherwin, c'est les pseudos. Hein. Et je vais pas l'appeler Noctan ou quelque chose. C'est son pseudo, c'est son pseudo. Arrête d'être choqué à chaque fois qu'on dit quelque chose. Donc là, Joey qui vient nous sauver. Enfin, il croit qu'il vient nous sauver. Va essayer de nous sauver en tout cas. Alors ici, on répond à l'option numéro 2, parce que si on répond à l'option numéro 1, on se tape un combat avec flics et des soldats, et on se fait défoncer, donc on perd du temps. Ça sert à rien. Là, pareil. On répond le choix numéro 2 pour éviter les dialogues. C'est Seiya Azu qui commente. Néo, il a fait exprès de casser son micro pour éviter de vous parler. Parce qu'il vous aime pas, tout simplement. Des corvées, tellement de cette semaine, je pense qu'on a dû la faire au moins une quinzaine de fois, voire 20 fois, ce passage-là avec Néo pour s'entraîner. T'inquiète, Kido, il va nous le faire même deux fois pour se faire pardonner. Hop, on distrait les gardes et on s'en va par là-haut. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aussi il a réussi à ouvrir une porte avec une cuillère. Donc il est un petit peu MacGyver Joey. Il nous fait descendre de la corde et tout. Il a réussi à faire le cocktail Molotov avec avec un torchon et un silex, une bouteille. Que ça. Un vrai bricoleur, c'est Joey. Hop, on va Ryubé. Parce que c'est comme ça, voilà. On va aller chercher trois amis pour aller. Parce que là, normalement, à ce niveau-là du jeu, on a décidé avec Joey de retourner à Kiaru pour aller s'expliquer avec les gens de Highland. C'est ça, Sherwin. Salut, Kanmi Tiché. Merci pour le gel. Encore un mini-jeu, normalement il faut ne pas bouger pour qu'elle nous lance des couteaux sur les trucs. Mais là hop, on bouge comme ça met fin direct au mini-jeu. Elle nous envoie un couteau dans la gueule, on ne crève pas. On ne sait pas pourquoi. Elle vise tellement mal qu'on s'est juste évanoui. Alors là il faut faire attention au stade de speed de Bolgan. C'est un peu lui qui va décider comment le combat contre le prochain boss va se passer. Donc on va regarder. Il a 17, c'est un truc impossible qu'il... C'est tellement rare qu'il ait 17 de speed. C'est un, c'est... Ça arrive du... On va dire... à 5%. Il a 5% d'avoir 17. En gros, il a une fourchette de speed entre 14 et 17. Il a très très souvent 14. 14 et 15, on va dire. Il a très rarement 16 et encore plus rarement 17. Là, il a 17, on sait pas comment. Donc, sur le truc de Néo, on voit qu'il a, j'arrive pas à voir, 14. Néo a le pire pattern. Comme ça, vous allez pouvoir voir les deux différentes façons de tuer le boss. C'est Bolgan, Sherwin. Oh yeah! Ça me plaît, mais il est gentil. Je vais vous expliquer
expliquer après les deux différentes façons de tuer le prochain boss. Donc là, Rina est partie parler toute seule dans un coin avec le garde. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, le garde nous laisse passer alors qu'avant il voulait pas nous laisser passer. Donc c'est là que les escape fails ont commencé à s'engranger. Là, on perd du temps. À chaque fois qu'il y aura qu'on loupe une fuite, on perd du temps. Et ça peut être très punitif, voire des game over carrément. Un petit menuing avant le boss. Ça a été plutôt assez clément niveau escape fail pour l'instant. Je n'ai rien dit. Fallait que je le dise pour que ça fasse de la merde. Je vais faire le menu avant de save, parce que sinon ça évite de le refaire au cas où si je reset. Et re. On va le faire ici le menu. Je te le dis, t'es en avance sur Néo. S'il est NRNG encore plus dégueu que toi. Moi ça va, ça a été correct. Hop là, on va se regarder. Et non, Nocturburn. Allez, finis ce strat là. Hop, on va aller tuer le boss. En anglais, ça s'appelle Mist Monster. En français, c'est le monstre de la brume, je crois. Le premier tour de ce boss, ça change rien. C'est toujours la même strat. Donc là, on fait un fire, une attaque, un item. Dire aussi que le mining que j'ai fait avant il est un peu safeisé, parce que normalement sur Rina, le personnage qui est à gauche là, la fille qui est à gauche, on lui met que deux boots et pas trois. Là je lui ai mis trois parce que très très souvent le héros OS Rina, et si Rina est OS je peux pas tuer le boss. Donc moi je vais faire la strat Sans l'attaque circus. Je pense que Néo va faire l'attaque circus, il est obligé de toute façon. Donc vous allez voir deux différentes façons de tuer le boss sur les deux écrans. Ouais, j'ai pas de chance, elle fait trois attaques, enfin deux attaques et on va voir si Néo a de la chance sur l'attaque circus. Attaque circus a... Elle a une fourchette de dégâts entre 120 et 160. Si elle fait moins de 140, c'est quasi mort. Il pourra pas tuer le boss. Bon, ça va dépendre aussi des dégâts des autres persos, mais c'est surtout cette attaque-là qui va... Moi j'ai réussi à le tuer. C'est ça, à peu près, ouais. Ça ressemble un peu. C'est Dalsim qui a gros. Il a mangé des cabardes. C'est ça. Et il a pas les bras et les pieds qui s'allongent. Ah, c'était nul alors. Bah ouais, il sert un peu à rien. Mais il crache du feu quand même. Voilà, c'est Dalsim, mais devant son. Il crache du feu sans rien, le mec. On a pas besoin de trucs, il crache du feu tout seul. On va voir les dégâts qu'il fait. Est-ce qu'il a besoin de reset ou pas? En 146, ça devrait peut-être passer. Et en recharge, sa partie. Ah, s'il recharge, c'est que ça a pas passé. Donc il va perdre beaucoup de temps. Ouais. Du coup, là, il se retape là, on arrive
au village natal de Joey et le héros, non, qui s'appelle Ryu normalement. On l'a appelé All Stars pour la dédicace. Donc All Stars c'est plus rapide que STA. C'est ça. Il y a tout le monde dessus alors qu'il y a juste les Speed Ball. Il y a tout le monde, ouais, il y a toutes les stars dessus. Les stars là, sont plus rapides. On rentre chez nous, on a une grande maison. On va rejoindre Nananer, comme comme Sherwin l'appelle. Ah, elle l'appelle Nananer. Wow. Alors qu'elle s'appelle Nanami normalement, mais bon. Ah oui, oh mais non, mais Nananer c'est plus facile à dire. C'est vrai. Alors, c'est notre sœur adoptive. Elle a été recueillie par Jenkaku, qui est le héros du, qui est un des héros du jeu. Ouais, donc du coup elle te casse la gueule, d'accord. Ouais, parce que c'est un peu une brute, hein, c'est une tarée. Par terre, elle te démonte la tête. Quand on est en train de nous dire qu'il y a des espions de chez Island et non, en gros c'est Joey et nous. C'est ce qu'elle a entendu. Donc là, elle nous a demandé si on rentrait tous les deux. On lui a dit oui, donc là, on va essayer de fuir le plus rapidement possible. Mais ça va pas se passer comme ça. Donc là, on n'oublie pas de prier le grand-père qui est mort. Très important. Et pendant et ce temps, on s'en va. Chez Neo Slash, il tente le boss. De pop. Après un coup d'éclair aussi. En essayant de fuir, bah on essaye. Voilà. On s'est rattrapé par les soldats. Le boss. C'est bon. Il a passé le boss. Donc là, on fait juste un petit flaming arrow sur les soldats. Yo Oxido, et oui, c'est ton place porté. Ouais, c'est le premier segment du jeu. Ouais. En gros, il y en a 4 pour nous. Le premier dure 2 heures en gros. Le deuxième dure aussi 2 heures à peu près. Le troisième 1h20 et le quatrième 1h. Ce qui fait une run de 6 heures en gros. Le world record est à 5h55. Là, on se fait arrêter. Joey, ça va être pareil, il est chez lui, mais il va se faire arrêter. On va se retrouver en prison. Le pauvre. Eh oui, il se fait renier par toute sa famille. T'avais qu'à pas avoir les cheveux longs. C'est ça. Faut que je me méfie alors. Ça pourrait bien m'arriver. Tu fais aussi des cheveux longs. Ouais. Tu vas te faire renier par ta famille. Ouais. C'est déjà presque le cas. Je pense pas qu'ils vont te mettre en prison, mais. Il y a Ruth qui va nous expliquer le plan du héros. Enfin, du héros. Du prince Lucas. Croyant que. Normalement, le lendemain, on se fait pendre. Donc, c'est pour ça que nous. Comme on va crever, il nous explique le plan. Mais comme on crève pas et qu'on connaît le plan, c'est con pour eux. Ouais, oui. Donc on. Ouais, mais sinon, ça n'aurait pas été un très bon méchant si nous t'avais c'est pas ça. Révélé son plan. Enfin, il sert un peu à rien, le road là, hein, le capitaine qu'on voit là. Oh les dadas! Eh oui, ils sont beaux. Le seul carrosse qu'on va voir du jeu. Enfin, le seul véhicule presque, non? Du jeu. C'est pour ça qu'ils ont pas trop animé les dadas. J'avoue que c'est quasiment le. Ah non, y a quand même un bateau, il y a des bateaux. Ah, il y a des bateaux et des chevaux, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Ça a dû bouffer énorme de mémoire ce genre de rajouté dedans. Comme je disais, il y a maximum, il y a maxi 5 cinématiques, 4 cinématiques, grand max. Il y a celle du début qui dure longtemps, et le reste c'est 30 secondes maxi. Donc tu mâches, et beaucoup de dialogue. Ah, souvent battre à mort, c'est cool. Ouais. Ah, c'est plutôt festif chez eux. Au coucher du soleil, c'est la classe. Bon, ouais. Ouais, c'est très classe. Bon, on s'est quand même sauvé par Victor et Flick. Ouais, ils sont rentrés à eux deux tout seuls, ils ont tout défoncé, les mecs. C'est... Donc là, il faut pas se tromper, il faut faire trois fois le choix numéro 2. Sinon, on va sauver d'un ami et on perd beaucoup de temps. En gros,
On laisse un ami derrière nous en prison. Parce qu'on s'en fout d'elle. Sois gentil. Ah, c'est comme ça. C'est le speedrun. On n'a pas le temps. On va retourner au fort avec Victor et Flick. Sauf qu'avec Victor et Flick, on ne peut pas louper de fuite. C'est impossible. Comme ils sont level 20 et tous les deux, et que les mobs sont très bas level, on peut pas louper de fuite. Oh mon dieu, du bout de poil. Ça s'appelle des bonbons. En plus. Voilà. Alors eux, si franchement t'as peur. Et il y a des pirates aussi, il y a des pirates. Ouais, les bandits, ouais. C'est vrai qu'ils ont des allures de pirates, les bandits. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des pirates. Ah, c'est ça. Ils font tout en même temps. Oh, les lapins. C'est des lapins cyclopes. Y a pas... C'est des lapins adultes ou des lapins. Je sais pas. C'est des lapins, tout court. J'avoue que là, c'est marqué. Parce que les lapins adultes. C'est quand même des lapins avec des grosses haches, donc. Je pense. C'est ça. Voilà, on fait le chemin inverse. On prend aucun coffre. Dans le speedrun de ce jeu, il faut quand même pas mal de. Il y a quand même plein de trajectoires à savoir. Hein. Parce que y a des fois, si on est à un endroit, le perso va mettre beaucoup de temps à y aller. Il va peut-être marcher longtemps. Alors que si tu prends une bonne trajectoire, tu vas plus vite, tu gagnes du temps. Il y a beaucoup moins de frames de marche. Bon, je pense pas qu'on le verra là sur la partie 1. Il n'y a pas trop de trucs comme ça, mais. Il faut être bon en trajectoire. Là, j'ai pas de chance, j'ai un combat juste avant de rentrer dans le fort. Il manquait un pas pour rentrer et j'ai eu un combat. Magnifique. Mais bon, c'est pas très punitif parce qu'on a Victor et Flick avec nous. Mais là, ils vont se barrer. Ils vont se barrer et on va être tout seul. Donc là, les combats vont être beaucoup plus chiants. Enfin, beaucoup plus chiants. Ils peuvent nous tuer, les combats, là. On peut mourir ici. Donc si je meurs, bah, je recommence avant Néo. Donc voilà, je vais perdre du temps. Voilà, ça commence. Bon, ceux-là, ils sont pas très punitifs. Ils arrivent 0 ou 1. Donc, voilà. Ah, t'as encore un peu d'avance. Ah oui, j'ai beaucoup d'avance. Mais bon, si tu meurs là... Ah oui, si je meurs là, c'est... Ah, pour croire les bonbons. Lui aussi meurt pour faire l'avance. Ouais, c'est ça. Ce mec il va mettre 3 heures pour faire une 2 heures. Non, normalement non. Je vais passer pour des grenades. J'avoue. Ça devrait pas arriver normalement. Pourtant ils sont forts. Welcome. Je suis le World Record Holder et Neo est 3ème. Donc oui, voilà, en théorie on est fort. Oui. Donc là, et merci PM pour le follow. Un petit trick avec l'aubergiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on recrute des personnes, on gagne des points. Et quand on dort, on gagne des points aussi. On sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi. Et pour déclencher la scène avec Pilika, il faut dormir 17 fois. Donc là, j'ai oublié de compter, donc je vais faire un peu. Je vais faire beaucoup de trucs. Parlons, monsieur, en fait, ça te fait dormir. C'est ça. Exactement, ok. On dort gratos. Normalement, ça coûte 100 poches, mais là, on dort gratos. Moi, ouais, je vais en faire beaucoup parce que j'ai oublié de compter. Mais... Normalement, c'est 17 fois pile pour déclencher la scène avec Pilika. Je vais en refaire un, hein, ça va être bon normalement. Ça peut tarder là. Non, il n'y a qu'un seul CD, Sherwin. Normalement, hop, si on passe, voilà, on déclenche la scène. Alors que normalement il y a pas mal de temps où il faut recruter des gens, donc c'est beaucoup plus long. Donc et les gens qui ont découvert ça, merde. Il suffisait juste de dormir 17 fois pour déclencher la scène. Il y
Y a des gens comme ça quand ils Bah tapent ouais, des choses. c'est comment ils ont J'ai un découvert peu ça les mon mecs, pote j'avoue. et. J'avoue que là, franchement, pour trouver ça, c'était chaud. Les autres strates, c'est plus cohérent, mais celle-là, j'avoue que. Oh, j'en connais d'autres des jeux en faisant des Oui, tournois de feu, quoi, mais c'est un je peu parle l'extrême. uniquement dans ce jeu-là, quoi. Ouais, non mais. Dans les jeux où il y a des glitches, oui, c'est sûr. C'est un peu what the fuck, mais. Dès que des diamants, il faut s'en être trouvé. Elle nous explique qu'elle voudrait faire un cadeau à son père et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Et quand elle a été amuse avec son père, elle a vu une jolie amulette chez le marchand et on va aller lui acheter pour qu'elle puisse l'offrir à son père. Elle nous a Ouais, une amulette qui vaut 3 millions de dollars. filé 5 poches et l'amulette coûte 500. Donc on va être obligé de la payer. Bah ça va, c'est un peu la petite, non? Petite branleuse. Ça. Donc là c'est punitif aussi, là les araignées c'est je peux mourir dessus. Et notre perso, en fait, c'est juste un mec exploité, quoi. Bon Il s'est exploité par une fillette de 5 ans, quoi. c'est ça, mais qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Oui. Ah, il suit un peu de Joey en fait là sur ce coup-là. C'est parce qu'en gros Pilka est devenue sa nièce à Joey. Alors qu'ils se sont connus il y a 2 heures, même pas, il y a 5 minutes. Donc là, on répond à deux pour éviter de payer. Mais c'est quand même Joey qui paye. Donc là, on achète 4 escape talismans qui vont permettre de se barrer des donjons plus rapidement par la suite. Non, Néo a pas planté. Non, Néo, je le vois encore en live, moi. Moi aussi, toujours. Si vous le voyez reset, c'est normal, il est pas très bon. Ah, tu vois, c'est le bon Dieu qui te punit, ça. C'est ça. Le dieu de la RNG qui te punit. Pour l'instant, je suis pas mort donc je vais pas me plaindre. C'est quand même assez rare de mourir, mais ça arrive. Là, on retourne au village normalement où il y a les parents de Pika et tout ça, et on découvre qu'il est cramé. Mon dieu! Et on ne sait pas par quel miracle, c'est la seule survivante. C'est la seule qui a Oh survécu. yeah! On découvrira par la suite que c'est Lucas qui a fait cramer tout le village. Ah bah tu nous spoil maintenant. Bah, mais je. Les gens ils connaissent. Ça va pas la fin. Mais si, on va le voir un peu là. Et je dis qu'il a cramé ce village et voilà. De toute façon, je pense que il me semble qu'elle le dit Apple là dans le personnage qu'on voit à droite, elle le dit quand je spam là, que c'est pour le ça spoil pas. Vous voyez les diagonales que je passe C'est extrêmement ça. vite, ben En voilà, ils gros, disparaissent. c'est pour dire que c'est Lucas qui a cramé tout. Wow, gamin. Donc là, on retourne voir Victor et Flick pour annoncer la nouvelle. Et au fait, ton village a cramé. Ah, merci. Non, le village pas loin de chez nous a cramé. Merci Belokan pour le host. Pareil, on essaie d'avoir le moins de combats possibles sur la world map. On perd du temps. Vous croisez les doigts. C'est ça. Parce que vous allez se faire attaquer. Par des bonbons. Des bonbons bleus, c'est chiant. Je ne mourrai pas, Sherwin. Pas tout de suite. Donc là, Apple va lui expliquer qu'est-ce qui se passe au village de Toto. Le village s'appelle Toto. Le village qui a cramé s'appelle Toto. Un nom plutôt badass. C'est ça. Donc là, Joey est un peu dégoûté. On lui dit qu'on peut avoir confiance en nous pour un peu lui remonter le moral. Là, Léona, qui est un peu la tavernière, nous avertit que Victor voudrait nous parler. Avant ça, on va augmenter l'arme du héros, niveau 3.
parce que plus dans pas longtemps, il y aura un duel contre Flick. Et c'est bien d'avoir son arme assez haut level pour pouvoir Ah, plus, faire plus de dégâts. bah, c'est bien. J'expliquerai ça tout Ah, à c'est l'heure. dommage, j'ai peut-être perdu ta culotte, mais... Ouais, je pense que là, ouais, ça va rien dire du tout. Hein. Mais, Non, ça veut rien dire parce qu'il suffit qu'il y ait une. Ouais, on va mettre arrivé à la deuxième sauvegarde de la partie avant la forêt. Là, ils nous expliquent qu'ils ont des armes qui s'appellent les lances de feu, mais qu'il faut aller chercher l'inventeur ou le fabricant dans le village d'à côté pour pouvoir les utiliser plus facilement. Donc, on va aller chercher à Ryubé. Ah, je vais sauvegarder à l'auberge. Sherwin Joker refusé. C'est Harry qui décide. Mince, je me suis trompé. C'est pas grave. Ah, tu fais peur au pigeon. Ah, mais c'est comme ça. Ah, ça fait plus classe. Le mec, il se. Il court entre les pigeons. Ça pousse, ouais. Pousse à monter. Oh, les pigeons. Je vous contrôle. On sauvegarde ici parce que la forêt est très punitive, très chiante. On peut mourir beaucoup. Ah, c'est plutôt des colombes, ils sont tout blancs. Là, on peut se taper ce combat qui peut être très chiant. J'ai réussi à le fuir rapidement, mais quand on le fuit pas, c'est très très long. Donc là, je vais ramasser les deux coffres qui sont à gauche. Voilà, on va le voir là, je vais perdre beaucoup de temps. Trois plombes à attaquer, ils attaquent pas tous en même temps. Et à chaque fois que je joue un escape, je suis obligé de healer après. Parce que ils peuvent me one shot, enfin le. On va expliquer ça après, je vais faire ça déjà. Hop, on va faire le menu, on va healer. Parce que dans cette forêt, il faut monter le level des héros au niveau 8 à peu près. Et il y a deux combats qui nous permettent de faire ça. Il y a soit 3 escargots, soit 5 araignées. Donc là j'ai pas de chance, j'ai eu 3 araignées et pas 5. Donc là je suis obligé de heal à chaque fois, à la fin de combat. Donc si on n'a pas le combat avant d'aller chez le mec qu'on doit aller voir qui s'appelle Tsai, on met Tsai dans le convoi. Ça s'appelle qu'il est avec nous mais pas dans le groupe. Donc on peut pas interagir avec lui ni rien. Là, je me suis pris des dégâts. Donc. Alors que si on avait eu le combat avant d'aller le voir, on aurait pu le mettre dans l'équipe et on aurait pu prendre son équipement. Là, ah non, j'ai pas de chance. C'est toujours 3 et je loupe ma fuite encore. Je suis encore obligé d'aller dans le menu et de heal, donc perte de temps. On arrive chez le mec, y'a personne pour le moment. Et le voilà qui arrive. C'est Jackie Chan ou Tintin, un peu des deux en fait. Il ressemble un peu aux deux, Jackie Chan et Tintin. Surtout à Tintin à la tête. Un peu, ouais, c'est le Tintin chinois. Donc là, si j'arrive pas à voir le combat, je suis obligé de tourner en rond à la fin. Voilà, je me fais troller par le jeu, il m'en donne que 2 alors qu'il m'en faut 3. On voit que. Ah voilà, là j'ai eu le combat. Donc je fais ça et un Flaming Arrow pour les tuer. Kervin avait vraiment que tu perdes. Welcome! Allez, mec. Les escargots, c'est le seul moyen de les tuer, de faire de la magie. Parce que c'est des escargots, donc ils ont une carapace hyper dure. Ah bah oui, bien sûr. Donc les attaques classiques ne fonctionnent pas. Pareil, ça enlève rien. Quoi. Donc tu mets 3 plombes à les tuer, ça va plus vite. Donc là maintenant, il faut essayer d'avoir le moins de combats possible pour. Ah voilà, je me tape quand même beaucoup d'escape fail. Mais bon, c'est pas très punitif là, comme ils sont level 8, ils prennent plus beaucoup de dégâts. J'ai plus besoin de healer pour l'instant. J'y irai juste avant
avant le duel avec Contreflic. Là, alors, une cinématique qui dure très longtemps. Ah, Neo est mort encore. Ouais, on avait encore eu un magnifique reload de Puis, Neo. si reload, c'est loin en plus là. Non, parce qu'il avait sauvegardé. Il a sauvegardé où? Bah justement la deuxième sauvegarde. Ah Il d'accord, avait l'arme j'ai pas vu qu'il était arrivé jusque-là. et il a un reload dans la forêt. D'accord. J'avais pas vu qu'il était déjà là. Mon dieu, mais c'est C'est ça cinématique, le gars. Nocturne. Ah ouais, hein. Elle dure trop longtemps en plus avec une épée. Voilà. C'est ouf, j'ai eu du feu. En gros, il s'est passé la même chose à Toto que ce qu'on voit là. En fait, c'est plus joli dans les phases de jeu que dans les... Les cinématiques sont. Moi j'aime bien les cinématiques, c'est un peu. C'est marrant. Ah, il y a les trois escargots. Hein. Les effets de flamme sont vachement bien faits, je trouve, là. Ouais, c'est pas mal. Non, les trois quarts des sprites sont corrects dans le jeu. Là, il a demandé aux villageois de faire le cochon. Pour lui, donc après, voilà. Le villageois il s'est fait tuer comme un cochon. Et oui, Agi. C'est Jackie Chan, déguisé en Tintin. C'est Tintin, le village de Jackie Chan. Ouais, aussi, ouais. Donc là, on va répondre le Les choix deux numéro 2 parce que profitent sinon, du... on perd du temps. Allez, Nostro. Yo Nostro. Hop. Question chez Déo. Retourne au fort des mercenaires avec Tsai dans notre équipe. Pilika qui va nous chercher à l'entrée. Elle rejoint le convoi aussi. Oh yeah. Waouh, tout le monde a fusionné ensemble. C'est ça. Alors là, on heal le héros même s'il a perdu que 1, mais bon, je le heal quand même au cas où. Donc là, on va arriver sur la phase de duel. Un peu particulière dans ce jeu. Il y a trois phases. Enfin, trois phases. Il y a trois attaques différentes. Soit il fait une attaque normale, soit il fait une attaque bourrin, soit il défend. Donc ça dépend de la phrase de ce qu'il dit, la phrase qu'il a annoncée. Donc là, cette phrase-là, c'est attaque. Donc moi, je fais une grosse attaque. Là, il fait ça, donc c'est une défense. Donc là, normalement, c'est fini. Il faut lui enlever 50 HP. Et je lui ai enlevé 38 plus 13, donc 51, donc c'est bon. Le combat est C'est bien passé. compté. Donc là, flic. Et yo, Salut, Roronoa. Ah, bravo. En même temps, encore, t'as de la chance qu'on a commencé en retard. C'est grave. Et t'arrives quand même à être en retard. Parce qu'une certaine personne était un sac. C'est ça. Mais Je sais bon, pas son comme à nom. son habitude. C'est toujours la même personne. Là, on nous annonce que le château est attaqué par les Highlanders. Ça s'appelle comme ça, les gens de Highland, c'est les Highlanders. Donc, C'est ça. Il en restera qu'un. c'est ça. À chaque fois que je vais donner un nom au personnage, j'ai envie de l'appeler Duncan. Mais je change à chaque fois. Parce que il reste tellement peu dans l'armée de Highland. Ça sert à rien de l'appeler Duncan MacLeod. Ou je l'appelle Seiya ou autre chose. Wallstar, pour aujourd'hui. La Victor nous dit qu'on doit être fier de notre blason. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un ours. D'autres qui disent que c'est un lion. C'est à vous de juger là parce que. Moi je dis dirais que c'est une pastèque. moi je dis que c'est un ours. Pour aller en face de tout le Et monde, une je pastèque, dis que c'est non. une pastèque. C'est une Là. pastèque, voilà. Une autre J'ai facette du jeu, tranché. les batailles stratégiques. Qui peuvent être très très punitives. Pas trop celle-là parce que voilà. Donc il y a trois actions aussi. Il y a soit en attaque. Directement, c'est au corps à corps ou il y a des... il y a trois trucs différents, il y a trois unités différentes. Il y a les fantassins, les mecs à cheval
les archers et les mecs qui font de la magie. Donc là, tout ce qu'on a, c'est des archers et des fantassins. Les fantassins, ils peuvent attaquer que au corps à corps. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Merde. Attends, il faut que je fasse ça vite fait. Hop. Fantassins, c'est corps à corps. Les archers, c'est à distance. C'est le classique, c'est logique, on va me dire. Normal. Je vois Et pas les pourquoi magies, t'aurais c'est peur. aussi à distance aussi. Donc, comme je disais, il y a trois attaques différentes. Soit on attaque au corps à corps ou aux archers, soit on wait, c'est-à-dire qu'on passe son tour, soit on fait des runes. Donc là, les fire spears qu'on a fait depuis tout à l'heure, les espèces de trucs de feu là, c'est des runes. C'est des runes. Et on a Je vais 50%, toucher. on a 50% de chance de toucher avec cette attaque là, avec cette rune là. J'ai les fantassins qui continuent à taper alors Oui, ils tapent alors qu'ils sont dans le vide. Et on remarque que quand les fantassins attaquent, on croit que c'est les enfants qui vont en récréation. que. Et les archers, c'est des piou-piou-piou-piou. Donc voilà, c'est. Bah les mecs ils sont sur les chevaux. Alors, normalement, dans Suikoden 1, c'est mieux parce que les archers sont plus forts. En théorie, les archers sont plus. Enfin, les archers. Les mecs à cheval sont plus forts que les fantassins qui sont pas à cheval. C'est logique. Les archers sont plus forts que les fantassins aussi. Les magiciens, c'est pareil. Mais là c'est aléatoire. Dans le 2, c'est aléatoire. Tout le monde peut tuer tout le monde. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut perdre beaucoup de temps. Et dans le trois quarts des combats, trois quarts des batailles comme ça, il faut que les trois quarts des jeux, voilà, le plus de. Soit qu'il y ait beaucoup de weight, soit qu'il y ait beaucoup d'unités qui meurent. Et des fois, il n'y a aucun des deux. Donc tu perds beaucoup de temps sur ce combat. Alors on arrive sur la deuxième bataille. Il faut défendre le fort. Faut savoir que Flick, le mec sur le cheval là, il peut nous troller. S'il se met en dessous nous là. À l'entrée du bas du fort. Parce que dans 2-3 tours, il y a une deuxième armée de Highland qui va arriver pour rentrer par en bas. Et si Flick est devant, ils vont avoir plus de mal à rentrer. Donc on peut perdre encore beaucoup de temps là-dessus. Là, on a classique, il bouge. Voilà, troisième tour, là, il se passe. Grâce à ça, on va skipper le dialogue avec Victor. Normalement, il y a un dialogue avec Victor, mais là, on le skip. Hop là, hop, là il dit plus rien. Là, la deuxième armée arrive. Et là, on prie pour que les mecs du bas attaquent en premier. Voilà, là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, ils ont attaqué tout au début. Mais si on n'a pas de chance, toute l'armée du haut peut bouger avant celle du bas. Peut perdre beaucoup de temps. Là, j'ai eu de la chance. Je sais pas si Neo aura cette chance. Donc là, voilà. Château est assiégé. Mais avant de partir, on va aller sauver Pitika. Parce qu'elle est. On sait pas où est-ce qu'elle est, donc faut la retrouver. Là, il a commencé le premier. Ah, j'ai de la chance en plus. Parce que si le héros a une vitesse sur sa stat de speed est inférieure à celui de Joby, je peux normalement finir le combat en un tour là. C'est ce qui va se passer. Alors que normalement il faut faire ça et au deuxième tour faut attaquer. Là comme j'ai plus le Flaming Arrow, il faut que je fasse l'attaque. Attaque Buty, ça s'appelle. Qui permet d'attaquer tout le monde en même temps. Le stellaire va le plus vite sur le premier coup. Oui, largement ça va beaucoup plus vite. Parce que là, je suis obligé de faire, ouais, on va dire 3 tours. 3 tours pour les tuer, alors que là, en un tour, c'était bon tout à l'heure. Wouah, attaque ninja! Va voir si en 2 tours, ça va peut-être suffire en 2 tours. Comme il y avait les contre-attaques, donc. Il y a eu les contre-attaques de Joey, donc ça a aidé. Donc là, il faut impérativement que Joey ne soit pas niveau 10 à la fin de ces deux combats. Normalement, si le Miss Monster qu'on a vu au tout début, le monstre de la brume se passe bien, et on arrive ici, il n'est pas niveau 10.
On va voir pourquoi il doit pas être niveau 10 un peu plus tard. Oh, lui il est méchant avec son sourire de méchant. Bah c'est le, on va dire c'est le deuxième gros méchant du jeu. C'est donc pour ça son sourire de méchant. Eh oui. Bah, c'est pour ça qu'il crame tout, tue tout le monde sur son, tue tout le monde sur son passage le mec. Et salut Kain, merci pour le gère. Donc là, on espère qu'il va cramer avec le fort, mais non, il crame pas avec le fort. Et une petite cinématique assez courte encore, mais cinématique quand même. On voit des mecs qui courent dans la forêt. Salut Deto, merci pour le gel. Et prostate. Alors, on découvre que Pilika a plus de voix parce qu'il s'est fait attaquer par un méchant, donc comme c'est une petite fille, elle a perdu, la parole. Mais elle va quand même nous faire chier. Là, non. Ça, elle ne va pas chier à poser des questions à tout revoir. Normalement, j'ai pas besoin de rentrer là dans le fort après, mais normalement, une portion, on est obligé de le faire, donc je le fais. Parce que ça permettra plus tard de se téléporter plus facilement au fort. Grâce à un personnage que je sais pas si les gens connaissent, c'est Vicky. C'est un personnage récurrent de tous les Suikoden, presque. Donc si on rentre pas là, bah, on est obligé de se taper à Ryubé et de passer un peu dans la world map, donc on perd du temps. Donc c'est relou. Là. On retourne. Là on doit aller à Muse. Mais quand on s'arrête ici, il y a Pilika qui fait ça sa tête et qui se barre toute seule. Donc on la suit. On va dans une espèce de grotte ancienne. Une grotte de Sindar, je crois que c'est. Sindar, ça s'appelle. Et c'est là qu'on va avoir les runes principales des deux héros. La rune bouclier lumineux pour nous, pour le héros, pour Ryu, et la rune épée noire pour Joey. Et comme c'est un jeu pourri, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre la rune bouclier lumineux, qui est beaucoup plus pourri que la rune épée noire. On n'a pas le choix. On est obligé de prendre cette rune-là. Mais avant ça, on va se taper un beau flashback de 5 minutes. Ah, les flashbacks. L'utilisation narratique. Avec. Ouais, c'est ça. 110% des systèmes narratifs. Avec un truc marrant à la fin. Enfin, marrant. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. Le problème de flashback, c'est qu'il y a quand même des trucs à passer. Des dialogues à spammer. Ah, c'est mieux ça. Eh oui. Donc là c'est la rencontre avec Joey, c'est la première fois qu'il le voyait. Ici ils vont se faire défoncer par les petits jeunes là. Voilà. Mais qui va venir à la rescousse? Nanami bien sûr. Parce que c'est une bourrin qui défonce tout le monde. Enfin, nananer. À ce moment-là, c'est la première rencontre de Ryu et Joey avec la princesse de Highland. Jillia, qui deviendra par la suite la femme de Joey. C'est elle qu'on voit là. Bon, elle est un peu jeune là-dessus, mais. Un peu plus jeune en tout cas que maintenant. Oui, c'est normal. Il y a quelques années. Voilà, c'est un flashback, hein, faut le rappeler.
Si les gens Ah, je ne me n'avaient pas suis pas fait compris, ça instantanément, ça m'étonnerait. ça se voyait, ça se voit aux couleurs qui changent d'ailleurs. Pas la même couleur. Ah Bon, bon? on voit Avec bien que l'écran de gauche et l'écran de droite, c'est pas la même couleur. Donc ça veut dire effet flashback, bien sûr. Alors, je pensais que c'était ta qualité vidéo qui flanchait. Bon. Non, pas le chien, cher Win. Il n'y a que la fille. Bien sûr, Ouais, c'est quand on rentre à l'école des chevaliers de Highland. On a perdu Spipper. Le moment drôle, un flashback de ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour nous rappeler que le début du jeu c'était ça en fait. Qu'on a fait une promesse avec Joey. Un flashback de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est drôle quand même, je trouve. Ça marchera pas, cher Win. What? Pourquoi la STL la kick? Je sais pas. C'est marqué quoi? Il a utilisé le string for roulette. Fonction roulette et C'est bizarre. Là, c'est la fin du flashback. Ça fait le même message, mais t'as pas kické toi. Bah non. Malheureusement. Je suis Ouais, alors. Admin, Pas une raison. Du bot, donc, Là, il l'a mis, c'est bon. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. Blablabla, nous explique si on veut du power, machin. On va chercher une rune. Pour avoir des runes, il faut lever la main droite. Pour faire un. À mon avis, en pour fait, faire. il kick pour une seconde le fait, quand tu meurs en fait Quand tu meurs de... Ah, quand tu meurs de la roulette. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, c'est pour ça que c'était marqué Lost, je suis bête. C'était roulette Lost. Donc, alors que là, deuxième fois, c'était Win. On a récupéré nos runes, on s'en va. On spam comme un gros porc. Bon, ce n'était pas un rêve. Direction Muse. Là pareil, on peut mourir, mais faut vraiment en vouloir. Hein. Faut vraiment pas avoir de shot, pas avoir de chance. Hello Sef. Salut Sef Jules. Là on arrive à Muse, mais on est bloqué. Parce que personne ne veut nous laisser rentrer. Même si on dit qu'on est des potes de Victor, ils veulent pas nous laisser rentrer. Non. Il faut en laisser passer. T'as pas de basket. Ça, tenue de corps était gisée, ça rentre pas. Voilà. Hop. Nanami qui apparaît, on sait pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Là, elle se frite avec les machins. Elle nous passe devant et elle se barre. Elle nous reconnaît pas au premier coup d'œil. Elle revient après, mais. Ah, en fait, c'est ça. Non, c'est des clones. Là, on lui explique ce qui se passe. Elle rejoint le groupe. On se fusionne tous. On change la formation pour la suite. En plus, il tourne une queue sur lui-même. Ah oui. Pas tout le temps, mais il le fait des fois. Allez, allez, il rentrait dans mes fesses comme ça.
C'est pour dire que ça lui fait du bien. Peut-être ça. Oui, Sherwin. Au départ, on va à l'auberge juste pour dormir. Mais on va apprendre par la suite que le dirigeant, là, ce qu'on a vu, Alex, il a un laissez-passer. Donc on va un peu l'aider pour qu'il nous passe son laissez-passer pour pouvoir rentrer à Muse par la suite. Donc là, un petit peu moment dégueulasse. Juste après. Et puis Lika qui va dans le lit pour faire quoi? On ne sait pas. Voilà, Joey, il a l'air de kiffer. Voilà. Voilà! Saleté, voilà. Elle a dormi debout, Charlie. Elle dort toujours debout. C'est pas l'heure hein, pour mettre des choses sexuelles, monsieur. Faut aller faire ça cette nuit quand on parlait de sexe. Parce que nous, cette nuit, on avait des phallus perdus quand même. On a fait fuite. Hein. Ouais. Il nous explique que personne n'a voulu le croire à Muse. Parce qu'il y a. Juste à côté de chez eux, il y a des ruines anciennes qu'ils voudraient explorer, mais il y a beaucoup de monstres, donc on va aller l'aider. Donc Pika, on la laisse ici, et il y a Alex qui nous rejoint. Et on part pour les ruines de Sindar. Ah, faut sauvegarder d'abord. Faut sauvegarder d'abord. On se regarde à 3ème. Ouais, bah oui. C'est ça. C'est la 3ème sauvegarde ici. Et la dernière. Déjà. Parce que là, c'est le gros. Le dernier rune killer de cette partie-là, c'est ces ruines-là. D'accord. Parce que je me disais, ta dernière sauvegarde alors qu'il y a un seigneur de jeu. Mais après c'est plus c'est gratos après. Bon, c'est quasiment gratos, c'est vrai qu'on peut mourir encore une fois. Mais c'est très rare. Ce qui est très très rare et souvent. C'est ça. Parce que tout à l'heure j'ai eu une stat de speed avec Bolgan là, avec comment s'appelle le mec de tout à l'heure. C'est qui est très très rare aussi, donc que j'ai quasiment jamais eu. Donc là on va voir si j'ai pas de chance. Sur le truc qui arrive quasiment jamais. Donc, il y a un deuxième but aussi de passer dans ces ruines, c'est de power leveler Joey. Il va passer du niveau 9 au niveau 30 en un seul combat. Et pour l'instant, un petit peu. Ça va permettre de tuer le prochain boss en 3 coups. Pour l'instant, on fait les énigmes qui sont dans les ruines. Parce que ce jeu aime bien les petites énigmes comme ça. Pas mal d'énigmes, il faut trouver des trucs pour aller les mettre autre part. Ou il faut pousser des caisses, pousser des trucs. Pas mal de trucs comme ça. Donc là, pareil, hop, j'ai récupéré la plaque ronde, il faut que je la mette dans le truc rond. C'est tout con. Il faut le faire. Sinon, on est bloqué. On récupère la plaque triangle. On va aussi récupérer une rune qui va nous servir pour la suite. Rune Fire Lizard. J'expliquerai à quoi elle sert tout à l'heure. Pour pas avoir de escape fail, voilà, parce qu'on suffit que je le dise pour que j'en aie un.
Bon, ça va, c'est pas trop punitif, ils sont que deux. Mais c'est chiant, voilà. S'ils font ces attaques-là, c'est chiant. Il mettra plomb à faire ça. Allez, on recommence. Ah, normalement, ils font ça, ça va plus vite. Mais s'ils font l'autre attaque, c'est long. C'est beaucoup plus long. Genre des grenouilles qui lancent des flammes, quoi. C'est ça. Bon, c'est pas vraiment des flammes. C'est plus des, je sais pas, des noisettes ou je sais pas ce qu'ils lancent. Hein. C'est des noisettes? Je sais pas ce qu'ils lancent, c'est des trucs, des petits trucs. C'est pas du feu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du feu, moi. Non, non, c'est des trucs, c'est des pommes de terre ou je sais pas quoi. Donc là, après avoir mis ça, il y a un petit mining à faire. On retire le shield ici, le casque, on retire tout. On lui met les médecines et on fait best sur Joey et on le heal. Comme ça, Joey il est très résistant. Donc là. Comme dans la forêt, il faut avoir deux combats spécifiques. Enfin, un seul, un combat, mais il y a deux possibilités. Soit 4 salamandres, soit 5 mégawatts. Bon, les mégawatts, je vous dirai ce que c'est quand on les trouvera. Hop. On récupère ça pour monter l'armure du héros, enfin du héros, de Joey. J'ai la chance, j'arrive à fuir presque tous les combats. On va aller chercher la plaque carrée qui permet d'aller au boss. Et là sur le retour, on essaye d'avoir le combat, enfin, on prie pour avoir le combat. Sinon, faut tourner dans rond. Là, c'est le pire combat du jeu, j'ai réussi à le fuir. Parce que les cartes, ils font des magies et c'est très très long. Très très long. J'espère que Néo va vous montrer comment on fait pour en ne fuyant pas ce combat-là, pour qu'il vous montre ce que ça fait. Comme ça il va perdre du temps et il va vous montrer ce que ça fait. Voilà, j'ai eu le combat, j'ai eu de la chance. Hop, on fait la magie du héros et on défend avec, Noé, avec Joey. Donc là, il faut attendre que tout le monde meure, sauf Joey bien sûr. Oh, des serpents volants qui s'enflamment. Des salamandres de feu. Voilà, là faut attendre que tout le monde meure, sauf Joey, et après on les achève avec Joey. Il est tout chaud. Quelque chose des personnages. J'ai un peu de chance, je crois qu'il va mourir. Voilà, donc ça se déroule très bien. Alors on fait la rune avec Joey. Pour les tuer, histoire de les tuer. Et comme Joey est bas level et les. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont haut level, bah il gagne beaucoup d'XP et il passe level 20, level 30. Donc là on peut aller au boss. On passe level 30 pour pouvoir activer ses magies niveau 4. Enfin sa magie niveau. Sa magie niveau 4 et ses magies niveau 3. Parce que niveau 9 il a que la magie niveau 1 et 2. Mais niveau 30 il a assez de stats en magie pour débloquer ces niveaux là. Donc là avec les 3 autres on défend. Et on fait la rune avec Joey. La rune classe quand même, elle est classe cette rune. Plus d'épée le mec. Ouais, c'est sympa la cinématique. Donc là, l'idéal c'est qu'il fasse des attaques magiques, pas magiques, physiques justement. Parce que ça met moins de temps à s'exécuter, donc tu gagnes du temps. Bon là, la magie de glace était la moins chiante des deux. Et une magie de feu qui fait un peu laguer la PSTV en plus. Donc on perd du temps. La magie de feu en général ça fait pas un...
La pestivie elle aime pas trop. Ça en affiche des trucs. Oui. Donc là voilà, c'est le troisième tour. En trois grosses attaques de Joey, il va mourir. Et voilà. Je gagne la magie Spark qui va servir pour la suite aussi, mais on ne le verra pas dans cette partie-là. Magie qu'on va se servir presque tout le long du jeu. On arrive à la fin des ruines, donc il y a le grand trésor, le fameux trésor. Ils vont être beaucoup déçus parce que en fait c'est juste une herbe curative. C'est une simple herbe curative. C'est pas un gros trésor, rien, c'est juste une herbe curative. Voilà. Donc ils sont très déçus. Donc là on utilise un escape talisman qu'on a acheté tout à l'heure pour pouvoir se TP à l'entrée du donjon. Et voilà, on ressort facilement. Tellement dégoûté le mec qui laisse l'herbe curative ici. On a fait tout le chemin pour rien en fait, on a perdu du temps pour rien. Sauf qu'il va accepter. Il va accepter de nous donner son laisser passer. On retourne en marge et là. Tiens, voici une herbe curative. Tout le mal que tu t'es donné pour passer à. C'est ça. Tu as sans doute dû te blesser lors de ton aventure, donc voilà. C'est ça. Et on retourne à l'auberge et on découvre quoi? C'est que sa femme est tombée malade. Ouais, une future morte. Peut-être. Donc là, on l'aménage. Hein. On a un ami qui a envoyé Joey chercher un docteur. Mais nous, on n'a pas le temps d'aller chercher le docteur. On n'a pas le temps d'attendre le docteur. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? À ton avis? Antidote. Mais quel antidote? Je sais rien. L'herbe curative. Ah bah voilà. Eh oui, elle va nous servir l'herbe curative. Bien sûr, c'était eh oui. Le remède. C'est ça, le trésor. Et tu veux pas la récupérer avant? Non. Malheureusement, non. Ça aurait été trop simple. Ah oui, eh oui. Bon, y a pas trop de combat, y a pas de combat. Cette herbe curative, eh oui. Donc, hein. Sinon tu te ferais chier là, on récupère. C'est ça. Heureusement qu'ils l'ont mis à l'entrée, ouais, j'avoue, s'ils l'auraient laissé à la fin du donjon, ça aurait été chiant. Retourne à l'entrée. Refais les énigmes. Donc là voilà, on l'a sauvé, elle va se réveiller tranquillement. Le sauvetage plus rapide. C'est ça. Tiens, prends de l'air. Bon, y a quand même un écran noir. Un écran noir, il a peut-être duré 3 heures. Oh mon dieu. Ça agit vite comme médoc quand même. Eh. Y a Joey qui revient, qui dit qu'il a pas trouvé de docteur. Mais il découvre à sa question qu'elle est déjà sauvée, donc ça sert plus à rien. Le docteur, c'est pour les faibles. On va chercher des remèdes au fond des temples. C'est ça. C'est mieux. Voilà, on dit au revoir à Alex et Hilda. Ils nous donnent le permis d'entrée. On va pouvoir aller à Mus comme ça. Voilà. Les persos sont au niveau 5, sauf Joey qui est niveau 30. Enfin 5 et 9. Le héros est level 10, je crois. Oui, level 10, le héros. Là, Nanami avoir une très bonne idée de se. En gros, de se déguiser, enfin, de prendre la voix et le caractère de la famille qu'on a vu à l'auberge. Nanami va jouer la Hilda, moi je vais jouer Alex, et Joey va jouer le petit garçon. Truc logique. Et Joey, tellement qu'il est pas bon en comédie. Il va faire de la merde. Et le garde va tout de suite trouver sa louche. Donc on va aller encore une fois en prison. Comme ça, direct. C'est
Putain, ce mec. Boulet de Joey, merci. En prison. Bon, à un moment, t'es rentré. Oui, voilà. On a fait la moitié du chemin déjà. C'est une façon d'entraîner, hein, un droit. Ah, c'est ça. Bon, tu te fais chier à ressortir après, mais. Donc là, ils se disputent pour dire. C'est pas forcément, c'est ta faute. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça. Et nous, on s'en fout, mais on choisit l'option 1 qui dit que c'est Joey qui était mieux. Alors que c'est pas du tout vrai. Ah, le menteur. Mais bon, ça va aussi vite. Ça change rien. C'est évident de faire un input. C'est ça. Bon, fatigant. C'est ça qu'on n'a pas parlé de l'OST du jeu qui est excellente. Je vous conseille de l'écouter. Qui encore une fois nous fonce dessus parce qu'elle est C'est immensément ça. grande, la ville. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre deux fusils sniper pour la faire plus grande. Ça marche pas dans le jeu. Enfin, les fans de GTA. Ah, mais ça fait comme le deuxième jeu d'affilée où la lune C'est passe vrai. au-dessus, hein, tellement C'est vrai qu'elle fait fuite au début, on la voit en gros. elle est. Elle reflète un petit Ça m'a peu fait trop peur, là. moi, ça. J'ai fait, oh la vache! Welcome! Donc le lendemain matin, il y a Victor et Flic qui viennent nous voir. Ils ont appris qu'on était en prison, qui viennent nous libérer. Salut Scamb, merci pour le gel. Victor nous apprend que la mère de Muse veut nous parler. Donc on va aller déposer Pilika à l'auberge et on va y aller. Numéro qui réussit pas à rattraper son retard sur toi. Compliqué, j'ai eu de la chance, hein, franchement. J'ai eu de la chance en ruine. Je pas. Bah si, du moment qu'il n'a pas le temps de poser un reset déjà là, ruine, j'ai beaucoup de temps de gagner. Ouais, il a fini la ruine. Hmm. Il a donné le médoc. Ah non, il va chercher le médoc. Laissez-moi les cochons. On découvre la mère de Muse. Oh yeah. Pour la première fois. C'est en gros la chef de l'armée de l'État, celle qui dirige un petit peu tout. La big boss. C'est ça. Elle demande à Jess, son conseiller, de nous faire une petite visite. Comme Jess, c'est un crevard, il nous dit, oh bah, vous pouvez y aller, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Moi, j'ai des trucs à faire. On va aller espionner ce qu'ils disent. Parce que Jess va nous demander d'infiltrer le camp Island qui se trouve au nord. Et pour ça, il va nous donner des uniformes. Se diriger, mais d'abord il y a un petit truc à faire chez le forgeron. Je vais aller équiper la rune que j'ai parlé tout à l'heure, faire Lizard sur le héros. Non, je me trompe de quoi, je me trompe. Hop, alors que fait la rune Fire Lizard? Elle augmente l'attaque de celui qui la porte sur son arme, et quand je fais une attaque physique, je perds des dégâts je perds des dégâts aussi. Donc ça va nous servir sur un combat tout à l'heure. J'expliquerai tout à l'heure. Mais en gros, c'est les deux utilisations de cette rune. Elle augmente l'attaque et on se prend des, en contrepartie, on se prend des dégâts quand on fait des attaques physiques. Au nord pour aller infiltrer le camp.
par là ce gentil garde qui va nous laisser passer. Alors dans la forêt, il faut que je tombe contre des lapins pour pouvoir tuer le héros et un ami. Parce qu'on aime bien tuer les héros et un ami. Ça, c'est pas le bon combat. On a besoin que le héros et un ami soient à 1 PV. Parce que si, quand ils meurent, après le combat, ils reviennent tout de suite à 1 PV. Comme sur FF8, je crois. Là, j'ai pas eu de combat. Ouais, faut que je retourne en arrière. J'ai pas eu de combat, donc j'ai pas eu le bon combat. Faut que je retourne en arrière. Faut que je tourne en rond pour avoir le bon combat. Ne citerai pas son nom. Ah là, là j'ai eu le bon combat. Je fais attaquer les deux et défendre Joey. Voilà, ils sont tous les deux morts. Pour éviter de rater ma fuite, je vais les tuer. Avec une petite magie de Joey. Comme ils sont 6, j'ai beaucoup de chances de rater ma fuite, donc de perdre beaucoup de temps. Tu peux sortir, ma Devil, la porte est grande ouverte. On arrive aux abords du camp de Highland. On revêtit nos uniformes. On va pouvoir y aller. Un petit meeting. On vire tout de Joey et on optimise le héros. Notre mission dans ce camp, c'est d'aller voir la réserve de nourriture qu'ils ont pour savoir si c'est une attaque rapide ou une attaque sur le long terme. Donc voilà, on va rentrer dans la réserve. On prétexte qu'on veut que le serge, enfin le capitaine Rhodes veut du beurre. Donc on va dans la réserve chercher du beurre, en théorie. En pratique, on va juste fouiller et regarder tout ce qu'ils ont. Là, on découvre que ça va être surtout sûrement un assaut de 2 semaines minimum. Donc ça va pas être un assaut rapide. Mais on se fait griller en sortant par le capitaine. C'est pas ma faute, Charwin. Moi, j'ai essayé de me dépêcher. Oh yeah! Il fait des resets, il fait le sac. C'est Néo, quoi. On va se réfugier dans la tente de la princesse pendant que les gardes font l'inspection générale de toutes les tentes. La princesse refuse qu'on fouille sa tente. Comme il y a tout le monde qui nous cherche, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire du thé, bien sûr. C'est logique. En attendant que l'orage passe, on va boire du thé. Voilà, on lui dit adieu. Et on s'en va par le sud, par d'où on est arrivé en fait. Mais non, on se fait choper par Rhodes. Donc là, le but de premier tour, c'est de tuer le héros. Voilà à quoi sert la rune Fire Lizard. Parce que quand
quand les PV du héros sont en critique, Joey, il va défendre le héros tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on met Fire Lizard sur le héros pour qu'il puisse se tuer tout seul. Parce qu'on n'a pas envie que le héros prenne d'XP sur ce combat. On va vouloir qu'il en prenne sur le prochain combat qui va arriver. Ça va être la même façon que tout à l'heure, c'est du power leveling. Il va être tout seul à prendre beaucoup beaucoup d'XP. Donc il va passer du level 10 au level 55 à peu près. D'abord, on le swipe et on fait attaquer un ennemi. Là c'est le seul endroit où c'est cet endroit là où je parlais où on peut mourir. Si le héros fait aucune esquive et il a une défense de merde, il peut crever. Là il est pas mort donc c'est bon. Grâce à cette attaque là de magie, il tue tout le monde. Juste une partie scav, on fait juste la partie numéro 1. Hop, il passe du niveau 10 au niveau 55. Cadeau. Alors on répond à la deuxième option pour avoir un deuxième combat et monter le level d'un ami. J'ai oublié de splitter d'ailleurs, c'est pas grave, ça change rien. Là, on répond à la première, c'est le même dialogue que tout à l'heure. Hop, et on va fuir. En laissant Joey derrière nous. Joey a voulu faire le bonhomme et nous protéger. Et comme on le voit pas arriver, on s'en va. Il nous rejoindra plus tard, peut-être. On retourne à Muse. Faire notre rapport. Il nous annonce qu'elle est déjà en réunion, donc on peut pas aller la voir. Voir Victor et Flic à l'auberge parce que c'est des gros poivrots toujours en train de boire des coups. Astuce de Victor pour pouvoir rentrer plus facilement, on défonce le garde, ça va plus vite. On explique à Jess et Annabelle ce qu'on a vu là-bas et que Joey n'est pas rentré. Annabelle nous dit qu'elle peut rien faire malheureusement, on peut que attendre son retour. Le retour de Joey à l'entrée de la ville. On va aller la rejoindre. Comme on est des gros salauds, on va rentrer à l'auberge boire des coups. Parce qu'on s'en fout de Joey en même temps. On rentre à l'auberge boire un coup.
On a bu tellement de coups qu'on a, on a rempli les deux tables. Un ami qui vient nous chercher pour dire que Joey est rentré. C'était une grande réunion. Grâce à notre rapport d'hier, Annabelle elle a regroupé tous les chefs d'État pour lui expliquer. On va les voir bientôt. On rejoint Victor ici. Victor qui va se faire troller par la fille là, qui garde l'entrée. Que la fille ne reconnaît pas du tout Victor. Donc elle le laisse pas rentrer. Alors que Flick arrive et hop. Elle capte direct que c'est Flick. C'est soi-disant un beau gosse et tout. Donc elle le laisse rentrer. Enfin, il rentre grâce à Flick. On aurait pas eu Flick, on serait pas rentré. Ah oui, c'est vrai, il est tôt. Je suis un voleur, moi. Ah, c'est grâce à ça qu'on fait des WR. On compte pour la première fois les cheveux de Mathilda, Miklotov et Camus. De tous les chefs d'État sont groupés à la table. Explique que Lucas, c'est le grand méchant. Il a tout cramé. Il va arriver sur Muse. On demande de l'aide. Pas grand monde enclin à nous aider, malheureusement. Le jeu, non, The Link. La partie, la race, oui. Le jeu est loin, loin d'être fini. En speedrun, le jeu il dure 5-6 heures. Là, on va faire que les deux premiers, en gros, les deux premières heures du jeu. On va s'arrêter après Muse, là, à la fin de Muse. Mais dans cette partie-là, il y a à peu près les trois quarts des trucs du jeu, donc Ah, la race est bientôt finie, oui. Dans 12-13 minutes, c'est fini, maxi. Je me doute à ton pseudo que tu veux que t'attends la race, enfin la run de Zelda. Donc bientôt, tu vas te la voir, t'inquiète pas. On va aller faire la troisième bataille stratégique contre les gens de Highland. Sherwin. Je vais te croire, Zelink. Le petit personnage qu'on voit au milieu là, des deux armées s'appelle Gilbert.
C'est un mercenaire qu'on peut recruter dans notre équipe. Si on le recrute assez souvent quand même, si on... sauf si on n'en rend pas de chance. Après, en speedrun, si on le recrute pas, c'est pas grave du tout. C'est même qu'on sait même mieux. On gagne du temps sur les batailles suivantes. Mais bon, ça arrive quasiment jamais. On va le recruter si on arrive à lui mettre une épée. Et si on lui met pas d'épée, si on lui met pas d'épée pendant tout le fight, il nous rejoint pas. Il reste du côté Island et faut savoir aussi que c'est la seule fois où on peut le recruter. Après, on le voit plus du tout dans le du jeu. Salut Archange. Là, le but de cette bataille, c'est que le plus d'unités possible meurent. Et que comme c'est pas moi qui les contrôle, on perd du temps. On croise les doigts pour que plus d'unités meurent. En évitant qu'il y ait trop d'archers qui attaquent. Parce que c'est long les archers qui attaquent. Il a touché donc on lui pardonne. Ça c'est bien par exemple. Les doubles KO c'est excellent. Piu 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 mais tu vas pas les voir, tu vas les entendre, cher Will. Là, on attend que ça se passe. Piou piou. Gna gna. Bataille qui se déroule pas du tout correctement parce qu'il n'y a aucune unité qui meurt. Voilà, ça suffit que je dise ça pour qu'il y en ait une qui meurt, mais bon, une seule ça suffit pas, faut qu'il y en ait plus possible. Je sais plus si ça se la bataille se finit en 5 ou 7 tours. Je crois que c'est 5 tours. Après 5 tours de jeu, la bataille s'arrête. Ça c'est bien. Lui il attaquera pas au prochain tour déjà. Ça fera des animations en moins. Rester deux tours là, je pense. Maxi. Yo, Dragon Nexus. Il reste un tour pour nous après, ça sera bon. La bataille sera finie. Là. Est-ce que Gilbert va mourir? Gilbert peut mourir sur cette bataille. Ça dépend s'il y a des dialogues. Non. S'il n'y a pas les dialogues après celui-ci, c'est qu'il est juste KO.
inutile, ça sert plus à rien parce que c'est comme c'est le dernier tour. À la fin de ce tour-là, il y a Camus qui vient chercher Miklotov. Le mec de Mathilda se barre. Non, il n'est pas mort, Sherwin. Il est juste KO. Et là, c'est la fin de la bataille. He's not dead. Il y a Joey qui parlait avec un certain Cage, qui est un espion de Highland. C'est ça, Sherwin. Et bon, pas moi qui décide si on le recrute ou pas. C'est la RNG qui décide. Annabelle qui veut nous parler un peu de notre grand-père Genkaku. On nous apprend un peu plus sur lui, donc on va aller la voir. Kage. Bon, j'appelle Cage. Très bien, Cage. En gros, c'est un espion. Et... il est en train de corrompre Joey. Hein. On va dire ça. Même, je pense pas qu'il ait besoin de ça. Mais... que Joey, depuis qu'il est rentré du camp de Highland, n'est plus le même. Il est un petit à petit en train de changer de camp. J'ai parlé à un ami avant de rentrer dans la chambre pour skipper une partie, une cutscene. Parce que normalement, il y a une cutscene avec Joey et Kage ou Cage. Une deuxième scène là à l'entrée de la mairie. Et si on parle à un ami comme ça et qu'on répond l'option numéro 2, on skip ce dialogue là et on arrive direct ici. Oui, Joey, c'est Néo. C'est tout à fait ça. C'est Judas. C'est le traître. Joey est un traître. Enfin, il croit faire le bon choix, mais non, Sherwin, non, j'accepte pas celle-là. Alors, ça y est, les stats de vampire. Merci pour les good luck. T'arrives à la fin, mais c'est gentil. Mais genre, c'est bobo quand même. Il a bon dos, le bobo. Et avant de partir voir Annabelle, on se demandait où était Joey. Bah, maintenant on le sait. Il est parti voir Annabelle sans nous.
Il est parti voir Annabelle avec l'intention de tuer Annabelle. Pauvre Bobo, s'il savait. Pas vraiment fini le stat. C'est juste une partie sur quatre qui est finie, qui sera finie. Normalement, il dure 6 heures. Et voilà, il a réussi à tuer Annabelle. Au moins, l'a blessée mortellement. Qu'elle peut encore bouger et parler. Je te rassure les stats. Il dure 6 heures à peu près. En gros 6 heures. Là, on pourrait se rappeler pour ceux qui ont joué à Suikoden 1, avec la mort d'Odessa, voilà c'est la même chose en gros. C'est la mort d'Annabelle. La mort de la chef, l'ancienne, voilà, la chef actuelle de l'armée de l'État. La différence aussi avec le 1, c'est que dans le 1, c'est Flick qui est amoureux d'Odessa, et dans celui-ci, c'est Victor qui est amoureux d'Annabelle. Là, on fuit Muse, et on va arriver à la fin de la race après avoir sauvegardé à Coronet. On pourra suivre la fin chez Neo. Parce qu'il vient juste de commencer le jeu là apparemment, je crois. Tellement qu'il est en retard. Petit troll, ça fait du bien. Non. On va aller soutenir Neo. Non, non, ça sonne pas à la porte, Charmin. Et voilà. De mon côté, c'est fini. C'est ça, Mad. Mais non, Sherwin, il sait bien qu'on rigole. À toi du coup. Merci. Pas de gros fail. Non, 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 quasiment pas. Pas comme certains. Oh, il a pas eu de chance. Enfin, il a pas eu de chance sur le Miss Elle Monster. a pas eu chance au début en fait. Bah, juste au début, ouais. Après, ça a été à peu près. Après, ça a été à peu près. Il a fait un autre petit reset, mais apparemment, il était pas trop trop gros du troll. Donc finalement, il a 5 minutes de retard quoi. Un peu moins là, parce que Sur ses là, splits à lui. dans 2 minutes, il a... Ah oui. Moi, je suis à plus de 2 Rapport à minutes. ses splits à lui. À plus de 2 minutes, voilà. Enfin le 1,45 que j'ai au départ, c'est pas mon PB. Mon PB il est à 1,43. Sur le World Record, je fais du 1,43. En training, j'avais fait que 1,46. Ouais. Merci pour les GG. Merci le stat. La prochaine fois, j'aurai peut-être un adversaire à ma mesure. Ah là là. Ça troll, Ça ça fait troll. style, ça les troisièmes, ils sont nuls. Je vais essayer de me prendre le deuxième, parce que le troisième. Ah là là. Non, j'ai pas encore dormi, non. Dormira cet après-midi. Ouais, Merci justement, Dragon Nexus, après merci. la run de... Merci pour la GG. En effet, il y a quelques petits moments de retard.
Voilà, il reste 2 minutes 30 maxi, donc il va être 5 minutes derrière moi, maxi. Enfin, 4 minutes derrière. Je mets un peu son son, histoire que vous entendiez un peu ce truc, parce que ne pas entendre le son, c'est dommage. Enfin, je sais pas si on entend bien ce son. Bah là, y a pas de son en ce moment-là, donc à part les dialogues qui spam, y a pas de son de fond. C'est pour ça qu'on n'entend pas grand chose. Ils ont du caca. Du dialogue. Eh oui. C'est ça. Moi, surtout celui-là, c'est. 14 swipes d'escape, tu lui en as fait 16. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, le world record est à 24 escape fail. C'est Neo qui l'a. C'est logique. 24 escape fail sur toute la run. Ah, 14 et 16, rien qu'avec la première partie. Bah, la première partie, c'est la pire. C'est la pire. Après, tu peux en avoir 5-6 grand max. Ah, ouais. Si t'as pas de chance. La première partie, c'est un carnage. Hein. C'est où t'en as le plus. Pour être bien, généralement, faut en avoir entre 8 et 10. Et là, 14 et 16, c'est vraiment dégueulasse. J'avoue, il sera en dessous les estimates. On sera tous les deux en dessous les estimates, de toute façon. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, on avait eu un quart d'heure de plus. À peu près un quart d'heure de plus. Ouais, ouais, là ils sont vrais, c'est bon. Et oui, il faudrait respecter les horaires. Ah, moi aussi, on est un petit peu en retard. À cause de lui, j'ai fait exprès d'aller vite. Et bah voilà, lui on est toujours le même qu'on attend. Voilà. Ah, c'est qui va se faire désirer. C'est ça. Ah, c'est Nero. Ah, il va bien avoir ses 5 minutes, 5 bonnes minutes de retard. Toi. Parce que là, il a fini dans 1 minute 30 grand max. Ouais. S'il se tape des combats. Hein. 5 bonnes minutes. Le boss, quoi. Quelqu'un. Sur le chat. Ouais, du coup, si. Non, ouais, pas de soucis, heureusement. Tu me dis quand je dois me déplacer, tu me dis. Y'a pas de soucis. Je laisse la place à Link. Alors moi il doit aller sauvegarder. Oui, il a terminé, oui, d'accord, oui. Sur le... Pas sur le restream. Deuxième sur le podium. C'est ça, on va gagner. Et voilà. C'est cool. Je fais ta médaille d'argent. Oui, GG. Bah, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Eh oui. On souhaite bonne chance à Link pour sa run de ouais, Zelda 2. Qui va faire Zelda 2. Pas le meilleur des Zelda, mais c'est quand même intéressant à voir. Eh oui. Bon, ça change des classiques. Il a pas du tout le même style que les autres, et c'est pour ça qu'il est intéressant à voir en fait. Parce que beaucoup ne le connaissent pas parce que c'est les premiers Zelda, justement. C'est une run qui est quand même intéressant à voir. Eh oui. Donc voilà, donc on va passer à la suite. Merci à vous deux d'être passés. Bah merci à vous surtout d'avoir laissé la chance de le faire. C'était cool. Je suis désolé, j'ai pas pu être trop là. C'est pas grave, pas du tout, pas de soucis. Au moment que nous on était là, c'est bon. Ouais ouais, faut tu t'es bien débrouillé. Bon ça va alors. Tu t'es bien démerdé, tout seul.
Ah, j'aurais bien fait bouger avec Neo, mais bon, il a cassé son micro exprès. Ouais, c'est un bordel. Il casse OBS, il casse tout. Par contre, il faudrait que Link Orange du coup nous rejoigne. Dès qu'il Parce rejoint, je vais m'éclipser. que sinon, c'est dommage. C'est sûr, hein, c'est pas terrible. Apparemment, tu as eu un SMS. Un SMS. Oui. Un SMS. Un SMS. Non, ce n'est pas de SMS, Un c'était de SMS. l'institut. Version hack, bien sûr. Et jalouse, Sherwin. Pas le monsieur d'un pièce à côté. Bah, je peux te la montrer, mais voilà, il y a le monsieur d'un pièce à côté. Alors, ça n'a rien contre Twitter. Ça spam. Allez, Ça spam. je vais retweet juste pour que tu aies Spam, mon un petit truc. téléphone il est connecté à... Bah Voilà, ouais. encore. Il est connecté au Twitter, forcément, donc ça tweet. Ça fait listen. Viens, Corange! À prendre le relais. Il a un problème avec OBS, il est sur Twitch. Tricheur. Ah là là. Bourrer les dons chez Néo, il en a besoin. Il a besoin pour s'acheter des skills. Non, un micro déjà, ça suffira. Il a le skill. Ouais, du micro. Un micro et un OBS qui marche avec Hitbox. Ah, je crois que Link il avait pas compris, il fallait qu'il me rejoigne sur Skype. Enfin, sur voilà. Voilà, allez. Voilà, coucou Link. Alors, je vais vous laisser alors. Yep. Je vous souhaite un bon courage à Je peux Link. couper le stream du coup. Ça marche, attends, je fais ça tout de suite. Hop.